Salut, c'est Ibrahim Lawani, bienvenue dans l'interview face à face. Au niveau de la blessure, c'est sûr que ça a été dur pour moi parce que j'étais en train de monter en puissance. Donc même au niveau du groupe, c'était très bien. Je prenais un peu de temps de jeu, même s'il y avait Anto devant moi. Après, il m'a beaucoup aidé dans ce début quand il est arrivé. Le problème, c'est que là, du coup, je peux pas trop en profiter vu que je suis blessé. Mais après, au niveau du groupe, on s'entend tous très bien, donc ça n'a pas causé de problèmes particuliers. J'espère être là pour Ajaccio. C'est l'objectif, en tout cas. J'espère être là pour Ajaccio et l'état d'esprit, conquérant, pour revenir directement jouer le mieux possible. L'état d'esprit de l'équipe, ils sont forcément un peu déçus de la défaite contre Montpellier. Après, j'avoue que la défaite contre Cambrai fait encore plus mal, parce que c'était une équipe contre qui on devait gagner. Bon, après, c'est le championnat, ils sont forts aussi. Donc tous les week-ends, quand on se bat contre une équipe, forcément, il y a un gagnant et il y a un perdant. Bon, là, malheureusement, c'est nous les perdants. Mais faut continuer, et l'état d'esprit de l'équipe est bon. À l'entraînement, il se donne toujours. Il faut continuer comme ça. Ce qui est sûr, c'est que cette 8e place, il va falloir aller la chercher. Il y a, comme tu dis, il reste des gros matchs, il nous reste Tours, il nous reste Chaumont demain. C'est des gros matchs, il faut aller les chercher, comme Poitiers a su le faire. Donc faut pas se dire on joue Chaumont, ils sont très bons. Faut y aller, il faut tout donner et on verra ce qui va en sortir. C'est ça, y a trop de surprises dans le championnat. Le premier peut perdre contre le 8e, contre le 9e. C'est pour ça que nous aussi, on espérait décrocher notre victoire contre Montpellier. C'était possible. Poitiers l'a fait. Et nous, on a battu Poitiers ici. Donc plein de surprises tous les week-ends. Je pense que contre Chaumont, là, ce qu'on prépare depuis le début de semaine, c'est que faut qu'on soit patient. Parce que c'est une équipe très physique, donc très forte au bloc et en place en bloc def. Et c'est une équipe qui sert très bien, donc il faut être patient. Ils auront des moments compliqués, forcément, comme toutes les équipes. Donc c'est là où il va falloir pousser quand il y aura ces moments de moins bien. Et nous, justement, ces moments de moins bien, justement, mieux les gérer pour qu'ils prennent le moins de points possible. Merci d'avoir suivi l'interview. On se retrouve demain soir pour suivre l'équipe contre Chaumont.